bueno, la película El Estudiante tuvo su première mondiale en el festival de Locarno. Eh bien, le film El Estudiante a connu sa première internationale à l'occasion du festival de Locarno et a obtenu le prix Del Jurado. C'était un premier achat de Ciné Plus. C'est par l'intermédiaire des organisateurs du festival de Locarno que nous avons rencontré Daniel Chavan d'Epicentre. Nous avons eu de très bons échos de sa société de distribution. C'est une petite société très dynamique, spécialisée dans le genre de films que nous avons réalisés. Puis, nous avons discuté avec Daniel qui s'est révélé être la bonne personne pour promouvoir notre film en France. Non, non, mais moi, en tout cas, je suis en admiration devant tant d'énergie, devant tant d'intelligence. Je crois qu'il y a un vrai désir, en tout cas, du cinéma latino-américain en France, ça c'est clair. Et puis voilà, puis non, Bissau-Tago, c'est vraiment une belle rencontre. Bon, c'est, je pense que le film lui ressemble. C'est un être sanguin, comme le dit Fais. Entier, voilà. Non, sans concession. Voilà. C'est pour ça que ce jeune argentin qui parle dans ce film de cette façon et qui s'attaque au maître, au professeur, en tout cas le scénario est magnifique, authentique, mais archi-authentique, 100% authentique, et il est formidable. Et je pense que d'après ce que j'ai pu comprendre, je me suis renseignée, les étudiants sont très sanguins là-bas. Mais en Amérique latine, enfin c'est pas l'Amérique latine, mais presque, bon, ils sont tous très sanguins et je trouve ça franchement merveilleux quand il s'agit de vie de gens, de nos vies à tous. Hein, et qui en ce moment en France, on devrait en prendre un peu de niaque, comme on dit, un peu niaque, oui, franchement. En réalité, c'est un scénario qui a été complètement écrit avant le tournage. C'est un film qui se présente comme une histoire écrite librement, et c'est cette liberté qui est un peu chaotique. Heureusement, nous faisions confiance à un scénario à la fois bon et solide, que nous respections et qui a nécessité beaucoup de temps et de travail. Je me sentais très confiant. Effectivement, il y a cette volonté dès le départ d'exposer, puis de nous perdre, et après, petit à petit, les choses se reconstruisent. Et c'est là qu'on voit au bout que c'est un film extrêmement, extrêmement construit, extrêmement intelligent. Hein. C'est un film que je pense effectivement plutôt virtuose, hein, même en termes de montage, de structure, des personnages. Il y a énormément de personnages dedans, il y a énormément de thématiques. Et au final, ça donne un film qui est quand même très, très, je dirais, resserré dans ses intentions. Voilà, et très clair. La verdad que si, digo, filmar de esta manera con... La vérité est que la façon de tourner le film était très compliquée et nous avons dû travailler deux fois plus. Toutes les personnes qui ont participé au film étaient impliquées par amour pour le cinéma et engagées dans le projet. J'ai perdu mon père il y a 15 jours, qui était un grand monsieur du cinéma, Jean-Henri Roger. Et je me souviens de ma dernière dispute avec mon père. J'en ai pas beaucoup eu ces derniers temps. Et un jour, j'ai fait l'erreur de dire « le monde est petit ». Parce que je lui disais que j'avais rencontré un tel qui le connaissait. Et il m'a dit « ma fille, tu te trompes. Le monde est immense, mais notre monde est tout petit ». Et je trouve qu'à l'Estudiante, je ne sais pas si je peux l'expliquer, mais me raconte ça. C'est-à-dire que l'universalité dont parle Daniel est réelle. L'incapacité qu'ont eu les associations latino à se mobiliser raconte aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, ce film raconte un monde qui est le nôtre, qui est petit, mais qui peut être universel, transversal, mais qui en même temps raconte un engagement, raconte une envie de raconter des choses. Et je trouve que l'Estudiante est immense et tout petit, parce qu'il concerne tout le monde, mais juste les gens qui ont la capacité d'avoir envie d'être concernés. Et quand je vois que ce soir, le monde qu'a eu, et pas seulement les invités, de nombreuses personnes payantes, j'ai envie de dire que Jean-Henri Roger, mon papa, avait bien raison. Le monde est immense, le nôtre est tout petit, mais quand c'est pour que ça fasse ce genre de projection, je trouve ça formidable. Expresa la voluntad general que nunca se equivoca, pero de hecho se equivoca y se equivoca siempre porque dice cualquier cosa. Hola, buenas noches, soy Paula Castillo de Brecha. Bueno, ante todo, saludo que se esté planteando esta discusión. Hola. ¿Cómo te va? ¿Me puedo sentar acá?
La catarsis ya está. Les hicieron una jugada complicada, la más complicada de todas, la traición. Yo no entiendo nada de esto, pero Ángel es un traidor, no le puede ganar. Ah, bueno, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Lo cagamos a trompar? Son unos cagones, Roberto me preguntó a mí si yo creía que vos eras capaz y yo tuve que insistir. Así que si vos estás haciendo lo del plenario es porque yo quise que lo hicieras. Sí, ¿y entonces qué mierda te Las pasa? Organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y ahora resulta que algunos imberbes quieren ganar el mérito de aquellos trabajadores que durante 20 años lucharon. Si vos conseguís cerrar este acuerdo, vas a ser el único responsable de que ganen esta elección. Ahí está, democracia garcas, democracia de traidores. ¿Te importa si es verdad o te importa si te sirve? Espinosa, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí vamos.